Bonsoir. Est-ce que tout le monde nous entend? Ouais. Franz, est-ce qu'au fond tu nous entends? Oui, tout va bien. Ok. C'est bon, on est à l'heure. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à la boutique Potemkin. Vous connaissez peut-être le principe de nos rencontres. On fait venir régulièrement des réalisateurs, des critiques. On est également une boutique de DVD. On vend des DVD, on est éditeur DVD. Et puis, on profite. Ah, je ne l'ai pas là sous la main. C'est un peu dommage. Ferdinand, est-ce que tu peux me donner un Blu-ray ou un DVD de La Nuit du 12, s'il te plaît? On profite de la sortie de DVD et de Blu-ray pour faire venir le réalisateur d'un film, et puis pas seulement parler du film, mais lui faire... Merci, La Nuit du 12. Et pas seulement lui faire parler de son film, mais lui faire parler aussi de son rapport au cinéma, des films qui l'ont marqué, de sa cinéphilie, et puis aussi avec vos questions, évidemment, parce que si vous êtes là, c'est que vous... J'imagine que vous appréciez, vous êtes curieux de rencontrer ce réalisateur. Ce soir, on a le plaisir d'avoir Dominique Moll qui est présent, et Gilles Marchand qui a coécrit La Nuit du 12, qui est réalisateur également. Et je suis très heureux de vous avoir tous les deux, et l'un et l'autre. Et puis ça a du sens que, évidemment, Gilles soit là pour parler de ce film, parce que c'est un compagnonnage qui dure, qui remonte. Voilà. Donc la première question que je pose toujours à l'invité, c'est Dominique, peut-être ton premier souvenir d'une image de cinéma, ou peut-être d'une salle de cinéma, d'un film, quelque chose de marquant, peut-être une sorte de scène primitive, quoi, quelque chose. Scène primitive. je dirais qu'il y en a eu trois, et qui étaient plutôt liés à comment dire, à quelque chose d'un peu cauchemardesque. J'ai grandi en Allemagne dans une petite ville qui s'appelle Baden-Baden, donc il y avait un vieux très beau cinéma qui s'appelait le Métropole, qui a été fermé dans les années 80 malheureusement, et je me souviens d'y avoir vu Les Oiseaux. Ça devait être une ressortie, je sais pas, enfin, parce que c'était pas en 62. Et aussi un autre film que j'étais allé voir avec un copain, où on s'était fait enfermer, enfin, après une séance d'un film pour les adolescents un peu débiles, on s'était fait enfermer dans les toilettes pour voir le film d'après, qui était interdit aux moins de 18 ans. Le cinéma était permanent à l'époque ou pas? Non, pas encore. C'était la séance d'après. C'est la risquille de base, quoi. Voilà. Pardon? C'était la risquille de base. Mais on pétochait à mort, on avait peur de se faire gauler, donc on attend, finalement on sort des toilettes, on retourne dans la salle, le film avait déjà commencé, on savait pas ce que c'était. Bon, c'était pas un film pornographique, hein, mais c'était quand même interdit aux moins de 18 ans. Et donc, en fait, c'était Satyricon de Fellini, mais j'ai mis très 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 longtemps à retrouver ce que c'était. Et je me souviens, et je ne l'ai jamais revu depuis, mais je me souviens qu'il y avait des images comme ça très marquantes. Je me souviens qu'à un moment donné, ils sont sur un navire, il y a quelqu'un qui se fait couper la tête, et il y a la tête qui tombe dans l'eau et qui coule comme ça, on voit la tête qui disparaît en coulant. Et un autre moment où il y a les personnages qui font une traversée du désert avec un jeune garçon albinos qui doivent absolument le maintenir en vie, donc ils prennent de la boue comme ça dans des chiffons qui tordent pour extraire quelques gouttes d'eau pour lui donner à boire, quoi. Et voilà, mais ça me dépassait complètement, en fait. Je ne comprenais rien, et puis comme en plus on avait super peur de se faire gauler, on est même sorti avant la fin, bref. D'accord. Donc c'était une expérience quand même assez, assez particulière. Et la troisième, c'était plus dans une sorte de ciné-club de la ville, où j'ai vu Les Fraises Sauvages de Bergman. Et là, c'était aussi le cauchemar du début, quand le vieux monsieur se promène dans les rues, il voit son propre enterrement, et puis il voit un mec comme ça de dos, il se retourne, et c'est un type comme ça sans visage, enfin, ça m'avait aussi terrifié. Donc c'est, et puis Les Oiseaux aussi, ça m'avait assez impressionné. C'est un film un peu terrifiant, et fait peur. Ouais.
Et je me souviens que j'étais avec un copain qui arrêtait pas de me dire « Ah oh, là, ça se voit, c'est fait en studio et tout. » je ne voyais pas du tout, et juste les jetons, quoi. Voilà, donc c'est les premiers souvenirs, en fait, sont liés comme ça à des images qui font peur et qui impressionnent et qui ont plus à voir avec le rêve ou le cauchemar qu'avec un naturalisme. Ouais, mais bon, c'est quand même intéressant parce que quand on connaît un peu ta filmographie, il y a quand même quelque chose comme ça qui traverse tes films, qui n'est pas forcément dans le registre de la comédie ou de la légèreté. C'est quand on est quand même plus dans un univers, pas du cauchemar, mais bon, dans des traversées comme ça où la peur est importante, quoi, quand même. Oui, c'est vrai. Enfin, ouais. C'est vrai que c'est des choses qu'avec Gilles, on a essayé d'explorer, enfin, des mondes qui sont. Voilà, parfois la limite entre le réel et l'imaginaire, et enfin, en tout cas, où il y a une dimension mentale forte. Ouais. Et toi, après, donc, tu vas étudier, alors tu voyages parce que tu vas aux États-Unis, non, c'est ça, à New York, et après tu passes l'IDEC, comment ça se passe? Oui, enfin, j'ai dû faire les études de cinéma les plus longues. Mais c'est-à-dire, précisément. Non, parce que j'ai, enfin, après mon bac en Allemagne, j'ai fait un an d'études en Allemagne, mais c'était plus littérature anglaise, enfin, histoire de l'art, des trucs comme ça que je faisais un peu en attendant de me fixer sur d'autres choses. Enfin, je m'intéressais au cinéma, mais c'était pas du tout une évidence. Enfin, ça me semblait très lointain et très compliqué. Et à un moment donné, je suis quand même allé à Paris, où je me suis inscrit à Paris 8, mais surtout pour voir des films, parce que, bah, à l'époque, enfin, bon, toujours, c'était quand même la ville où on pouvait voir toujours, des films. Toujours. Et puis, il n'y avait pas les DVD, donc il fallait aller en salle. Et suite à cette année, l'université de Paris 8 a proposé un échange avec une université publique à New York, où il y avait un qui s'appelait City College of New York, et il y avait un petit département de cinéma, et je devais y rester que 6 mois, et puis finalement je suis resté 2 ans, et c'est là que j'ai réalisé mes premiers courts-métrages. D'ailleurs, le premier que j'ai réalisé, c'était une adaptation d'une nouvelle de Bukowski qui s'appelait La Couverture, qui avait aussi quelque chose d'assez cauchemardesque, puisque c'est un personnage, une sorte d'alter ego de Bukowski, d'alcoolique, qui a l'impression que sa couverture prend vie pendant la nuit, essaye de l'étrangler pendant la nuit, et donc il essaye de s'en débarrasser, à chaque fois elle revient, voilà, donc on a fait ça de façon très artisanale, en fixant des petits fils sous la couverture. Donc t'as été aussi accessoiriste aussi. Oui, voilà, et en fait c'est là que je me suis rendu compte que la fabrication d'un film, enfin toutes les étapes, que ce soit l'écriture, la préparation, inventer justement des espèces de systèmes de bricolage, aussi le travail avec les comédiens, la lumière, le montage, enfin, que ça me plaisait, que ça me correspondait. Et donc quand je suis revenu à Paris, j'ai tenté le concours de l'IDEC, donc en même temps que Gilles, et d'ailleurs on s'est déjà repéré pendant le concours. Et voilà, et donc après, on était 3 ans à l'IDEC, qui est donc l'ancêtre de la FEMIS, où à l'époque, il n'y avait pas de département, mais on faisait tous, enfin, on était une vingtaine, on faisait tous réalisation avec une spécialisation en deuxième année, mais le principe, c'était aussi surtout de faire des courts-métrages et de travailler sur les films des uns des autres. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette promotion dans ton souvenir Dans mon souvenir. Qu'on pourrait connaître Donc, outre Gilles, il y avait un étudiant chinois d'ICG qui a fait plusieurs films et qui est plus connu presque par ses livres, parce qu'après il est devenu romancier aussi, Balzac et la petite tailleuse chinoise. C'est lui qui l'a écrit. Il y avait Thomas Bardinet et Vincent Dietschy Ils sont pas devenus producteurs, non? Alors, Vincent, en fait, à la sortie de l'IDEC, a monté une boîte de production qui s'appelait Sérénade Production. Et donc, nous, on gravitait un peu autour de Sérénade, enfin, Gilles,
Thomas, il y avait aussi Laurent Cantet qui était dans la promotion avant, avec Romain Campillo aussi, c'était la promo avant nous. Et en fait, le principe, c'était un peu de continuer ce qu'on avait fait à l'IDEC, c'est-à-dire que Vincent produisait nos courts-métrages et on travaillait tous sur les courts-métrages des uns et des autres. Enfin, donc, Laurent, Thomas, Gilles, il y avait Pierre Milon aussi qui est devenu chef opérateur, enfin qui est chef opérateur, qui fait les films de Laurent Cantet, de Guédiguian. Jean-Pierre Améris aussi qui a fait, qui a fait pas mal de films, beaucoup de films. Oui, c'est toute une génération. C'était pour situer aussi, cinématographiquement parlant, une génération aussi, une promotion. Voilà. Et de voir de quel cinéma ça a accouché aussi, c'est intéressant de voir. Ouais. Gilles, peut-être, quel souvenir tu as de ces années-là et peut-être ta rencontre avec Dominique, quels sont tes souvenirs quoi, de... la rencontre, enfin vraiment, c'était au moment du concours. Il y avait la dernière partie, on était enfermés 5 jours dans une maison de jeunes et de la culture, enfin, je ne sais plus, en banlieue, à Choisy-le-Roi. Et pendant 5 jours, on vivait, dormait là, et on avait des épreuves, écrire un scénario en 2 jours. On nous larguait Place d'Italie avec un appareil photo, une pellicule, il fallait qu'on fasse des photos, puis après, ils les faisaient développer, on devait choisir, faire un montage, il y avait un collage, je ne sais plus, enfin, des tas de petites... épreuves, et donc on était comme ça très concentrés sur... C'était assez marrant, c'était des choses très concrètes, et on s'est retrouvés pour plusieurs épreuves assis côte à côte. J'ai fait des blagues idiotes sur... et on a sympathisé. Comme on a... Faut dire que la plupart se essayaient de travailler 24 heures sur 24, et nous on était plutôt du genre à aller nous coucher le soir après avoir... travailler, donc et on s'est retrouvés l'année d'après à la rentrée, on s'est retrouvés dans le même groupe et on a fait vraiment tout le cursus ensemble, alors qu'il y avait beaucoup de choses qui se croisaient. On a passé beaucoup de temps à commencer à travailler sur nos courts-métrages respectifs, enfin aussi sur d'autres, mais et après, on s'est... Mais est-ce que vous parliez de films ou des films que vous aimiez? Est-ce que vous échangez là-dessus ou tout? J'ai un souvenir de Dominique revenant en disant j'ai vu un truc, mais complètement dingue et qui était pour nous surprenant pour l'époque. C'était Terminator et qui, à l'époque... Il était plus sur... Et donc... Hommage à Jean-Marie Strouve, hein, évidemment, qui nous a... Et c'est vrai que... Oui, on parlait d'Hitchcock, mais on était beaucoup, beaucoup dans la fabrication, plus que dans... Enfin, on avait une carte qui, à l'époque, était magique. Maintenant, ça s'appelle une carte UGC ou GOMO, ou je ne sais pas quoi, mais qui permettait d'aller dans... Tous les cinémas sont payés, ce qui n'était pas toujours facile quand on était étudiant à l'IDEC. Ce qui faisait rêver tous les copains et tous les gens qui passaient le concours dans l'espoir d'avoir la carte pour rentrer gratuitement au cinéma. Et donc, ça nous arrivait d'aller même voir des films ensemble, en tout cas, des commenter, bien sûr, sur ce qui sortait. Moi, je sais, quand je suis arrivé à l'idée que je venais de Marseille, de la province, je connaissais personne du tout dans le cinéma, même de cinéphile. J'étais un peu tombé dans la marmite, je sais pas comment. Et à l'idée que c'est la première fois que j'ai vu des gens qui... Moi, j'étais tombé redingue devant Eraserhead à l'époque, et c'était la première fois que je voyais des gens qui connaissaient David Lynch sans que moi je leur en ai parlé. Alors je me disais, ah, c'est dingue, ça existe. Voilà. Et bon, à l'époque, je me souviens quand est sorti, c'était pendant l'idée qu'ils sont sortis d'une et puis Blue Velvet. Je trouve que c'est... parlez-moi quand même de votre découverte de Lynch, d'Hitchcock évidemment, mais de Lynch, parce que je trouve que... Et de l'un et de l'autre, alors j'ai pas cité les films, les films de Gilles, je sais pas toujours ça, mais il y a qui a tué Bambi, L'autre monde, et Dans la forêt pour les longs métrages, avec Jamiel Caïm.
Et puis, moi, Dominique, je t'ai connu par Harry, un ami du mien, comme beaucoup, parce que c'est un film. Alors, il est sorti la même année que Qui a tué Bambi. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez écrit l'un pour l'autre. C'est-à-dire que tu as écrit pour Harry et tu as écrit pour Bambi. Bambi l'a écrit sur une première version qui s'appelait du scénario qui s'appelait Un tueur si proche. Et puis après, après le succès d'Harry, moi j'ai retravaillé avec ce scénario qui n'arrivait pas à trouver de producteur avec Vincent Dietschy, donc un autre gars de la bande. Pour ce qui est devenu Bambi. En fait, les scénarios ont des choses en commun, de ce qu'on avait écrit avec Dominique et puis de Bambi, sauf qu'il y a une inversion des sexes pour... Non, mais sans raconter les films, disant que ce sont des films quand même assez incroyables, je vous conseille, si vous ne les avez pas vus, Harry, un ami qui vous dit bien, je pense que la plupart peut-être l'ont vu, qui a tué Bambi, je trouve que c'est un film que j'ai énormément aimé. J'avais fait un petit mail dans ce sens-là, parce que mais on retrouve Laurent Lucas dans un des films, le père modèle, et puis dans l'autre, quelqu'un de plus inquiétant, quoi. Donc, Harry, 2005, Lemming, avec Charlotte Gainsbourg, 2011, alors il y a des années qui se passent entre ces films, je pense que tu as dû faire des choses, mais tu diras peut-être quelques mots aussi, comment ça se passe, la gestation, la construction, la difficulté peut-être à mettre en place des films. 2011, Le Moine, après 2013, donc tu as fait des épisodes du Tunnel, série télé. 2016, Des Nouvelles de la Planète de Mars. 2019, Eden, donc c'est une série, c'était passé sur Arte, c'est ça ? Oui, une mini-série pour Arte. Sur Arte. Et puis, on se retrouve avec le long métrage avec Seules les Bêtes, qui était sorti, alors je ne me rappelle plus, c'était juste après avant le confinement. Juste avant. En décembre 2019. Ouais, avec Damien Bonnard. Et on retrouvait Bastien Bouillon, crois. Et puis, La Nuit du 12 cette année. Pour revenir à ces années IDEC, il y a un moment où c'est un saut, peut-être de faire un long métrage toi tu l'as vécu comme ça ou c'est une continuité plutôt. Oui et non. En fait, mon tout premier long métrage avant Harry, que peu de gens ont vu, qui s'appelle Intimité, qui était une adaptation d'une nouvelle de Jean-Paul Sartre et qui a été produit donc par Sérénade Productions, pour qui c'était le premier long métrage. Et pour Intimité, si c'était un format plus long, on avait obtenu l'avance sur recette, mais c'est le seul financement qu'on avait, donc c'était quand même, on était quasi dans une économie de court métrage, donc personne n'était payé. On tournait en Super 16, avec des moyens assez réduits. Donc ça m'a pas paru comme un palier si important que ça. On a mis du temps aussi parce qu'on connaissait pas grand monde, à part nous-mêmes dans le cinéma, quoi. En tout cas, pas de producteur établi, pas de distributeur établi. Je me souviens qu'on avait organisé des projections dans des salles de projection, qui étaient faites pour ça, quoi. Qu'on payait, c'était très cher pour nous, pour inviter des distributeurs, et personne venait, ou alors les gens partaient pendant ou après sans rien dire, quoi. Donc c'était un peu compliqué. Et puis, finalement, au bout d'un an et demi, on a quand même trouvé... grâce à une projection qui a eu lieu au Festival de La Rochelle du film, on a trouvé un distributeur, donc Michel Saint-Jean, qui par la suite a aussi fait de la production et dont Harry, un ami qui vaut du bien, était le premier film en tant que producteur. Voilà. Mais suite à la sortie de Intimité, où personne n'avait gagné un centime dessus, donc on se posait un peu, on se pose toujours un peu la... 7000 entrées. Oui, 8000, quoi. Donc on se pose toujours la question de la légitimité, peut-être que... Bon. On avait tous des boulots à côté. Moi, je travaillais comme assistant
réalisateur ou assistant monteur, enfin sur des choses chouettes d'ailleurs, enfin notamment avec Marcel Lofuls. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que j'ai choisi. Si, oui, Hôtel Terminus. Voilà. Et voilà, donc c'était enrichissant et on apprenait plein de choses, mais du coup voilà, on a mis quand même un peu de temps avec Gilles à écrire le scénario de Harry. Mais une fois qu'il était fini, enfin que je l'ai fait lire à Michel Saint-Jean, il y a eu tout de suite un enthousiasme très fort de sa part et ça s'est financé facilement. Et voilà, et tout s'est déroulé un peu. Les comédiens étaient déjà comment désignés? Les comédiens, il y a eu. C'était après le producteur. Okay. Oui, c'était. Le truc marrant d'ailleurs, c'est qu'on était en fait de la bande, donc il y avait Laurent Cantet qui était lui en train de tourner. Enfin, on avait fait avec lui comme technicien pour la production Écourt, qui a produit La Nuit du 12. On était en train de travailler pour lui sur ses premiers films qui étaient le premier un truc pour Arte qui s'appelait L'an 2000 vu par Les Sanguinaires, voilà, dans une série que pour Arte, et puis Ressources humaines qui était son premier film sorti au cinéma, et Dominique devait être assistant sur Ressources humaines. Moi, j'avais écrit avec Laurent Ressources humaines. Et dans le même temps, on avait écrit avec Dominique Harry. Dominique a annoncé à la production que l'autre production, donc Michel Saint-Jean, était intéressé par le scénario d'Harry. Donc, il partait le réaliser. Il ne pourrait pas être sur le tournage de Laurent, ce qui était la première fois. Enfin, je raconte ça parce que finalement, on a retrouvé. Enfin, moi, Écourt a produit donc les films de Laurent, mais a produit mes deux premiers films et a produit les deux derniers films de Dominique. Donc, on a fini par faire une boucle. Voilà. Au fond, c'est quand même beaucoup des histoires de rencontres. Voilà. Mais pour faire ces rencontres, ça prend aussi beaucoup de temps, c'est-à-dire que nous, entre le moment où on sort de l'école en 87 et le premier film, il y a une dizaine d'années. Oui, donc ça s'est pas fait facilement. Refaisait nos courts-métrages qui avaient un certain, enfin qui avaient des prix à Clermont, qui faisaient parler, mais on voyait bien que le cap du long que Dominique est le premier à avoir franchi, enfin il y avait aussi Thomas, mais c'est un message à envoyer aussi à des jeunes réalisateurs, de s'accrocher et de pas baisser les bras. La leçon, c'est être insubmersible avant et puis après. Et le succès d'Harry, hein, il vous dit bien, tu me parlais de 1 million, non, 2 millions d'entrées. Spectaculaire. Comment tu traverses ça, ou sereinement, en pensant à tes 10 années de vache maigre? Oui, on essaye peu. Ou en te pensant être le réalisateur français qui monte. C'est un peu les deux. On essaye d'être serein et puis en même temps on commence à se raconter des trucs aussi. Mais enfin, en tout cas, voilà, il y a eu du coup beaucoup de services après-vente, enfin avec des festivals à l'étranger, etc. Donc j'ai passé pas mal de temps là-dessus. Et puis après coup, je me suis rendu compte aussi que le, enfin autant le un non-succès peut être frustrant et tu te poses la question de la légitimité. Autant un gros succès peut aussi être un peu paralysant. Et parce que du coup on a forcément la pression pour le prochain, et puis on se met la pression soi-même, et puis on se dit il faut que tout ce que je fasse soit génial et que ça marche super bien, et du coup quand c'est pas le cas on se dit finalement je suis pas si génial que ça, et cette pression, oui, peut être un peu handicapante, quoi. Et même sur le plaisir finalement qu'on devrait prendre pendant le tournage, je sais que que ça soit sur Lemming ou sur Le Moine aussi,
c'était compliqué, quoi. Enfin, c'était une sorte d'obligation de résultat. Oui, voilà. Ou pour chaque plan, je me disais, il faut que ça soit, il faut que ça soit un plan incroyable, et ce qui est complètement stupide. Ouais. Et en fait, et je sais que c'est le fait d'avoir, en fait, travaillé pour la télé, enfin que ce soit sur Tunnel, mais surtout pour Eden, la série Eden pour Arte. Où du coup, enfin, ça s'est fait dans, enfin, surtout Eden, où il fallait réécrire les scénarios parce qu'ils n'étaient pas satisfaisants pendant le tournage. Enfin, où il y avait une espèce de truc où il fallait y aller, quoi, sans se poser de questions, et que du coup, on n'avait pas le temps de peaufiner chaque plan. Fallait y aller, et que on se rendait compte que voilà, que ce qu'on faisait n'était pas si mal, et que voilà, et ça m'a, je pense que ça m'a permis, ou ça m'a réappris à lâcher prise et à pour les films suivants, et à reprendre plus de plaisir sur le tournage. Un freak control, c'est-à-dire qu'il est, il est très scrupuleux, très précis, et donc il y a un moment où ça peut, voilà, sous la pression effectivement de l'envie de bien faire, de trucs, tourner à l'obsession quand on retournera sur la nuit du 12, enfin sur une d'être presque de se coincer tellement c'est une volonté de contrôle et de précision, quoi. Alors on va parler de la nuit du 12, mais je reviens juste à la question que je vous ai posée, mais que je ne vous ai pas vraiment posée, sur votre rapport à Lynch. Je pense que c'est un point important quand même, parce que c'est un réalisateur pour vous important. Pour moi, c'est une vraie question, parce que quand je vois vos films, parce que à l'un et à l'autre, je sens les influences, les réalisateurs que vous avez aimés, je sens votre identité de réalisateur, mais je sens que ces figures tutélaires sont importantes pour vous. Comment est-ce que vous les... parler de David Lynch, par exemple, comment vous l'avez découvert et comment vous l'incorporez aussi dans votre cinéma, comment il vous inspire, tout simplement. Vas-y. Moi, c'est c'est une longue histoire. Enfin, j'allais à Marseille dans un cinéma à réessai qui s'appelait Le Breteuil, qui n'existe plus, qui était un petit cinéma où j'allais tout voir depuis l'âge de 14 ans. Et un jour, j'ai vu un petit papier photocopié avec la tête, ce papier-là, mais en tout petit, une photocopie, et derrière un article du film français qui parlait de sa présentation à Voriaz. Et je m'étais dit, ça me plaît beaucoup, je vais y aller. Quand je me suis pointé pour le voir... Le monsieur qui tenait la salle m'a dit, et qui me connaissait bien parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'huluberlu dans mon genre de mon âge, m'a dit, on a un petit problème, la copie est complètement sous-développée, c'est tout noir, on voit rien, donc il faut que tu reviennes. Oh, moi non, mais c'est pas possible, dans mon organisation de petits cinéphiles. Il me dit, enfin, on le montre à un gars qui a tenu à quand même rester, mais je t'assure, nous on a essayé de le regarder hier soir, on voit rien, mais si tu veux, donc je suis rentré dans la salle quand même, en profitant qu'il y avait un autre spectateur, et devant un écran effectivement quasi noir, j'ai entendu un quart d'heure ou 20 minutes de la bande-son d'Eraserhead, où j'étais un peu comme ça, essayer d'attraper des choses, bon, puis je suis sorti, parce que le monsieur était sorti aussi, je voulais pas abuser, puis je suis revenu le voir, le dernier jour d'exploitation, parce que les films passaient pas beaucoup. Bon, bref, et j'étais complètement irradié. Enfin, ça m'a rendu un peu cintré pour des années. Mais je vais pas être trop long. Mais disons que c'est ça qui m'a d'ailleurs posé des problèmes. Ça a ruiné complètement mon capital capillaire. Je dis parfois de manière un peu solennelle, je ne sais pas si j'ai fait des choses bien sur Terre, mais j'ai vu les films. j'ai vu tout ça. J'ai écrit un petit texte pour justement le site Chaos, qui parle de cinéma fantastique notamment, de ma vie avec David Lynch, enfin, qui passe en revue chaque fois comme ça les films que j'ai vus un par un. Je peux même pas dire que ça m'a
influencé, parce que j'ose pas du tout faire un rapport, tout ça, c'est je suis heureux d'avoir été contemporain comme spectateur des films de Lynch. Comme ça, j'ai un petit souvenir parmi sans doute. J'ai jamais voulu le rencontrer. Enfin, il m'est arrivé de le voir, et même dans un ascenseur, de le saluer, mais sans imaginer même pouvoir lui parler. Ça me semblait pas possible. Mais j'ai un souvenir à Cannes pour la présentation de C'est l'heure et Lula, qui n'est pas pour le coup mon film préféré, mais où il y avait l'actrice qui joue la mère de Laura Dern, qui est intervenu après que je m'étais incrusté dans la conférence de presse pour écouter avec les journalistes, tout ça, et tout le monde disait, Nicolas Cage, on s'est marré sur le tournage, Lynch est un ange, il est adorable, c'est vraiment la personne la plus exquise, c'est super, le film est incroyable, on est heureux d'être ici, tout ça. Puis au bout d'un moment, donc l'actrice qui joue la mère, Adern, a dit, écoutez, c'est vrai, David Lynch est un personnage incroyable, tout ça, mais tourner dans un film de Monsieur Lynch, c'est comme d'être peint par Michel-Ange à l'époque. Et moi, je me suis dit, ah, quand même, il y a quelqu'un qui dit un truc sérieux dans la salle. Enfin bon, tout ça pour dire que c'était un niveau pour moi de que je le mets ailleurs, quoi. Enfin, c'est une expérience de ma vie qui relève même pas tout à fait du cinéma. Je peux me sentir ridicule de dire ça, ou de qu'on fasse des rapports même avec des trucs de mes films avec les siens, mais disons qu'en tout cas, moi, ça m'a. J'ai eu l'impression qu'on filmait l'intérieur du cerveau, et ça m'a passionné. Voilà, alors après, je peux faire. Je la rends délire. Dominique, toi, alors, Lynch est dans ta vie. Bah, je suis un peu moins drogué que Gilles, et je sais aussi qu'il y a des films, enfin, je sais que Dune, enfin, par exemple, sur le choix de Kyle MacLachlan, je me disais, mais d'où il sort ce type, enfin, comment est-ce qu'il peut caster un mec comme ça, alors que maintenant, je l'adore. Et voilà, enfin, aussi, Sailor et Lula, j'ai eu un peu du mal, mais voilà, enfin voilà, que ce soit Eraserhead, Elephant Man, Blue Velvet, hein, qui est vraiment, je crois, mon film préféré, et aussi oui, Twin Peaks. Enfin, je me souviens qu'à l'époque il passait, enfin c'était, je sais plus, c'était en français, sur enfin, oui voilà, mais c'était voilà, c'était le lundi soir ou je sais plus quel jour, et donc c'était vraiment le, fallait rien mettre d'autre le lundi soir pendant qui diffusait la série, et puis c'était vraiment je pense que c'était vraiment la première série qui a eu cette impression de faire une sortie en salle, une projection de The Return, de Twin Peaks. Ouais, je sais pas si ça peut. C'est compliqué. Après, tu parles à un fan de Lynch, j'aurais pu à peu près dire pas mot pour mot, mais je pense que c'est. Mais en tout cas, enfin, ce qui me plaît beaucoup chez Lynch, enfin, comme Hitchcock, c'est que c'est des réalisateurs qui essayent toujours de pousser plus loin la forme narrative du cinéma, qui sont tout le temps dans une réinvention et qui est à la limite de l'expérimental. Et c'est du rapport à l'inconscient, quoi. Et du rapport à l'inconscient, effectivement. Et c'est, voilà, c'est ça que j'aime beaucoup chez les deux. Alors, s'il y a des questions là déjà, à ce niveau-là, on va parler de la nuit du 12 quand même, un peu. Oui. Ah oui, Kubrick, c'est bien aussi. Hein. Mais... Le début de Harry, c'est Kubrick. C'est Shining, c'est oui. Ah non, alors j'avoue qu'en fait, il y a un peu du Shining. Oui, bien sûr. Les enfants, enfin, la position. Moi, je me souviens de la photo, évidemment, de... Oui. Le survol pas tant du survol. Que la photo célèbre, enfin, le plan de Nicholson, et enfin du côté la petite cellule familiale dans une voiture. Mais
plus que le point. Oui, oui, parce qu'en fait, enfin, dans Shining, d'ailleurs, petite anecdote, quand Shining est sorti, donc en 81, et je l'ai vu au cinéma, donc je commençais à m'intéresser au cinéma, et j'essayais de comprendre comment on fabrique un film. Et du coup, j'étais allé voir Shining une première fois, et après, je suis retourné avec un cahier que j'avais préparé avec des petites cases où je voulais en fait dessiner le storyboard en direct pendant la projection pour comprendre comment il avait fait, quoi. Donc, je crois que j'ai fait les quatre premiers plans, et après, j'arrivais plus à suivre. Mais enfin, dans Shining, les plans d'hélicoptère sont très très larges, et en fait, c'est le côté comme ça très en aplomb et côté très symétrique, en fait j'avais piqué chez Haneke, c'était dans le début de Funny Games, en fait, où il y avait ça. Où il y avait comme ça ces plans, enfin vraiment à la verticale et très très symétrique. Et oui, Haneke, elle avait peut-être piqué à Kubrick, ceci. Non, mais après, oui, enfin, piqué, non, mais tout, de toute manière, tout se recycle. Non, mais c'est marrant, parce que c'est vraiment des filiations aussi, bah, Kubrick, Haneke, bah, c'est au cinéma, de parler de, pas de contrôle freak, mais bon, de cinéastes quand même qui sont dans la maîtrise de leur histoire, de leur personnage, et qui... Ouais. Haneke, il n'a pas beaucoup d'humour, quand même. Non, c'est vrai qu'Haneke... Ah non, Haneke et l'humour... Oui, c'est vrai que l'humour est un cœur. Oui, dans Kubrick, oui, oui. Kubrick a un humour particulier quand même. Oui, c'est non, mais c'est vrai qu'on adore tous les deux Shining, enfin évidemment de 2001. Moi, j'aime beaucoup Eyes Wide Shut. Voilà, donc oui, c'est toujours un peu compliqué de parler de références et influences, parce que quand on écrit un film, on peut évoquer d'autres films, etc. Mais on essaye en tout cas de pas faire un film en référence à un autre film ou à un autre cinéaste. Mais les influences sont forcément là, de tout ce qu'on a emmagasiné, tout ce qu'on a aimé. Donc, non, mais à part Lynch, j'ai mis très longtemps. Je pensais tellement que c'était du génie pur. J'ai mis très longtemps à m'apercevoir qu'il était très influencé par Hitchcock. Ah oui, d'accord. Mais je dis, ah bah oui, évidemment. Enfin. Après, il en fait. Oui. Après, il en fait tout à fait autre chose. Mais il n'y aurait pas Vertigo, il n'y aurait pas Mulholland Drive. Oui, voilà. Oui, bah, tout à fait. Oui, mais bon, pour moi, c'est intéressant de voir comment ce côté pas maniériste, comme le fait de Palma, par exemple, mais comment on s'approprie une œuvre et comment on la régurgite d'une certaine façon, ou on la transforme, on en fait autre chose, sans être dans l'hommage, mais être dans une sorte de prolongement, mais je sais pas. Et je trouve que vos cinémas, ils sont quand même, bon, à partir du moment où on est dans le genre. Disons que c'est pour le coup, le film noir ou le thriller, c'est un genre balisé, qui a été exploré, labouré. Et donc, c'est essayer de faire quelque chose, mais peut-être qui n'a pas déjà été fait, ou essayer de. Voilà. Mais ne pas être encombré de ça, ne pas faire un film contre non plus. Je sais pas. Je trouve qu'il y a. Bon, donc pour parler de la nuit du 12, quand même, parce qu'il faut qu'on en parle. Oui. C'est une adaptation, du moins, raconte-nous un peu la Oui, alors vite fait, donc c'est une adaptation un peu particulière. Donc c'est un livre qui s'appelle 18.3, Une année à la PJ, qui a été écrit par une autrice qui s'appelle Pauline Guéna, qui est aussi scénariste par ailleurs, et qui a passé en 2016 une année à la PJ de Versailles en immersion. Et donc le livre, en fait, est enfermé, voilà, où elle était, voilà, elle pouvait circuler librement, accompagner les flics des différents services de la PJ partout, la scène de crime, enfin les perquises, les interrogatoires, etc., etc. Et donc le livre, c'est un peu le récit de ses observations, enfin qu'elle a évidemment organisées de façon à ce que ça soit intéressant et passionnant. Et donc c'est vraiment une vision de l'intérieur du travail de la PJ, et en ça c'est vraiment passionnant. Enfin, il y a plein de dialogues qu'elle a notés, qu'elle a réécrits, et puis donc il y a plusieurs enquêtes dans les différents services.
et aussi des personnages comme ça qui émergent, enfin dont on sent qu'elle s'y est plus attachée qu'à d'autres. Donc il y a, même si c'est un livre documentaire d'une certaine façon, il y a quand même quelque chose de très très fictionnel. Donc toi tu as pris une partie, un chapitre, personnage. Et quoi. En fait, ce qui m'avait donné envie de lire le livre, enfin outre la démarche, enfin de cette immersion, c'était la quatrième de couverture où qui était donc une citation du livre où il était dit voilà, à la PJ on raconte que chaque enquêteur tombe un jour ou l'autre sur un crime qui le hante, qui ne le lâche plus. Et voilà, et cette idée de l'enquêteur obsédé par un crime, enfin même si c'est pas non plus, enfin ça a déjà été fait, mais en tout cas ça m'intéressait. Et dans le livre, les deux derniers chapitres, en fait, parlent de l'enquête dont parle le film. Donc c'est vraiment 50 pages sur 500, même si après on s'est nourri de plein d'autres détails et de choses dans le reste du livre. Et d'ailleurs, c'est sur cette enquête-là qu'elle parle justement de l'obsession et de la hantise d'un flic pour cette enquête, et d'autant plus qu'il n'arrive pas à la résoudre. Et voilà, donc c'est ce qui m'a attiré dans un premier temps. Un flic hanté, une enquête qui n'aboutit pas, ce qui me semblait une façon singulière d'aborder le genre, parce qu'en général, quand on dit polar, y a un meurtre, et à la fin, on livre quand même le meurtrier au spectateur. Et donc j'ai fait lire à Gilles, on a commencé à en parler, et puis Gilles très vite a senti aussi que comme il s'agissait d'un, comme le crime c'était un féminicide, que les rapports hommes-femmes, enfin ou de ce qui cloche entre les hommes et les femmes, comme le dit un des personnages, allait être un des fils rouges une des thématiques importantes du film, voilà. Et donc on a travaillé à partir de là. Gilles, peut-être par rapport à l'écriture, déjà, dis-moi comment tu as perçu ce texte, comment vous en êtes emparé. Oui, enfin, avec Dominique, vous avez compris qu'on se connaît depuis longtemps, donc lui me fait lire le livre, moi je lui dis oui, il y a sûrement un truc. Maintenant, on essaye de faire un système où on se met un peu hors de Paris, genre 10 jours, pour se lancer dans concrètement dans l'écriture, essayer de sortir le maximum de choses, voir si la graine peut donner un végétal un peu poussé. Et donc, moi, très vite, sur la question de l'obsession, je l'évoquais, je vois bien que le personnage, enfin, l'espèce de, comment dire, de désir de bien faire, le côté scrupuleux, je vois bien qu'est-ce qu'on peut en tirer avec Dominique, mais et la proximité, enfin, je comprends pourquoi ça touche Dominique. Sur la façon dont ça se déplie, c'est assez difficile à raconter, parce que là, Dominique, en le résumant très fort, donne l'impression qu'on voit très clair où on va. Indiscutablement, la question du féminicide, le fait que ça soit un livre aussi écrit par une femme, même si elle n'apporte pas du tout un regard qui ne développe pas la question de la violence des hommes. Mais le fait que ça soit une femme immergée dans ce monde de la police, probablement nous interroge, nous aussi, comme scénaristes hommes, qui cherchons à faire un film de genre, qui avons déjà, dans nos films, eu des femmes tuées par des hommes, et on se dit, c'est quand même curieux que ça revienne. Enfin, pourquoi tant de films noirs, tant de films policiers racontent des histoires d'hommes qui tuent des femmes ou des histoires de policiers qui cherchent. Et au fond, on habite le fait divers dans son aspect documentaire, mais aussi dans ce truc intime d'une forme d'identification au personnage, de l'inquiétude
qu'on peut avoir, ressentir devant cette violence-là, a fortiori si on est enquêteur, mais comme je le dis, en étant scénariste qui raconte des histoires, des films de genre, des thrillers, tout ça, ça nous rapproche. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est une espèce de travail intime qui se fait ou qui est pas très, comment dire, structuré. Enfin, nous, on jette des choses sur le papier, on discute. Il y a des jours où on se parle très peu, des jours où on se parle beaucoup plus. Puis on écrit des scènes, des personnages, on cherche, on tâtonne comme ça avec les éléments qui sont là pour essayer de faire émerger des choses qui nous semblent être un film possible. Voilà. Et une fois qu'on arrive à ce premier jet, d'une certaine manière, et qui n'est pas un synopsis, qui est plutôt déjà une forme de scénario, mais pas encore complètement abouti, on sent si on a ça, on le partage avec les productrices, en l'occurrence, et puis on continue après à le travailler. Mais les choses, elles émergent très progressivement, en fait, même si on l'a écrit dans un temps relativement court, parce que le cinéma, souvent, prend beaucoup de temps, mais là, c'était sur quelques mois, enfin, six mois. On n'y voit pas toujours clair, quoi. Enfin, encore une fois, on tâtonne, on cherche, on se dit, ah ben oui, les choses, on structure, les choses s'organisent. Dominique est beaucoup sur sur la structure, enfin, l'organisation des scènes entre elles, les choses. Moi, ça va être des fois dans des détails d'un dialogue que je sens une vérité qu'on partage, où je lui dis, j'ai l'impression que ça peut nous aider. Enfin, par exemple, moi, je me souviens que le fait qu'un personnage, en l'occurrence la jeune flic, dise à la fin un monde d'hommes, c'est très banal de dire un monde d'hommes en parlant de la police. Ça, d'un coup, je me disais, oui, ça, on doit radicaliser les choses sur ce truc-là, d'écrire ce que c'est un monde organisé par les hommes, qui s'intéresse à la violence que les hommes commettent sur les femmes. Voilà, et donc la thématique des autres conversations peut aussi tourner autour de ça. Voilà, les choses. Il y avait assez tôt dans le scénario, cette galerie de portraits d'hommes et l'importance aussi, tant au niveau de l'équipe qu'au niveau des suspects. Et cette déclinaison qui ne devait pas être répétitive, qui devait être incarnée, évidemment, et qui devait avancer aussi, avancer vers soit plus de violence, mais plus de... moi, je pense à des films comme Zodiac, comme Memories of Murder, ces films-là, où plus on avance dans l'intrigue, on y comprend quelque chose. Quoi. Plus on avance, plus c'est opaque, quoi, en clair. Première chose. Et deuxième question, le film repose quand même, moi, je trouve, sur la prestation et sur le personnage de Bastien Bouillon, qui est incroyable, et on n'imagine pas quelqu'un. Je trouve qu'il donne une force au film, une force d'incarnation, quoi. Et déjà à l'écriture, vous pensiez peut-être, vous aviez peut-être une shortlist des comédiens qui pouvaient camper ce rôle. Je sais pas. Alors en fait, on n'a jamais avec Gilles, on n'a jamais écrit pour quelqu'un. Ou avec quelqu'un en tête, en disant un tel, il va jouer le rôle. Après, évidemment, on peut pas s'empêcher d'évoquer des noms où on a vu un film avec tel comédien, on se dit est-ce que lui pourrait, etc. C'était ponctuellement à imaginer presque une scène, mais on se dit pas il faut tout écrire pour lui, parce qu'après on sait bien lui il est pas libre ou elle est pas libre, et du coup il faut donc le personnage il doit exister pour lui-même. On peut le nourrir des fois en pensant à des comédiens qu'on aime, mais c'est toujours les personnages eux-mêmes. Donc le personnage de Johan, comme le personnage de Marceau, et comme les autres, on y pense en pensant au personnage, enfin en essayant de le faire vivre dans le scénario le plus fort possible. Oui, c'est ça. Et puis après, c'est une fois que le scénario existe... qu'on attaque vraiment le processus du casting et de la réflexion sur qui peut incarner qui. Et là, le travail avec en l'occurrence, c'était deux directrices de casting avec qui
j'ai travaillé était très important. Et aussi, on savait qu'on ne voulait pas des visages trop connus, trop identifiés. Et donc, voilà, c'était un vrai travail de recherche, d'essai, enfin, pour tous, quoi, hein, pour les enquêteurs, pour les suspects, pour les parents, pour la copine, pour tout le monde. Donc c'est aussi à nouveau un travail d'exploration, et où il s'agit pas seulement de trouver le bon comédien ou la bonne comédienne pour chaque rôle, mais aussi de trouver un ensemble qui fonctionne, enfin de ce travail enfin, la dynamique de groupe était très importante pour le groupe des enquêteurs, par exemple. Donc les essais qu'on a d'abord fait individuellement, après quand on les a fait revenir, c'était par deux ou par trois ou par quatre pour voir comment ils fonctionnaient en groupe. Et certains qui étaient très très bons en individuel fonctionnaient pas en groupe parce qu'ils essayaient trop d'exister tout seuls et pas. Voilà, donc ça c'était assez instructif. Oui, non, pardon. Sur Bastien, il y a eu un truc qui est presque... enfin, si tu me dis si je dis une bêtise, mais qui était que des comédiens... Dominique a vu pas mal de comédiens dans la scène face à la juge. Enfin, il n'y avait pas Nogrinberg en face, mais cette scène-là qui est donc... comme scène d'essai. Et c'est vrai que la plupart... enfin, tous les comédiens le jouaient avec des choses en amenant une forme de naturalisme, d'expressivité, de choses qui polluaient un peu et qui affaiblissaient le personnage. Et Dominique aussi, peut-être, parce qu'il lui a donné à cet instant-là cette indication-là à lui plus qu'à un autre, mais c'est aussi tout le talent, évidemment, de Bastien de l'avoir compris et chopé tout de suite. Sur un truc de fixité, de conviction, qui est associé à sa... une espèce de... enfin, il a un mélange de douceur, mais de virilité, de... oui, quelque chose de très droit, quoi, en fait. Enfin, c'est ce mot-là qu'on avait employé. Oui, oui. On sent que c'est un personnage qui est au bord de l'implosion, qui a besoin de limites, de cadres. Ben, c'est vraiment ce type de caractère qui a besoin de cadres. Et donc, la procédure, on sent que toute dérogation à la procédure, c'est la mise en danger, mais sa mise en danger de sa santé mentale, presque. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'il atteint au plus... S'il l'a fait respecter, c'est parce que lui, sans ça, il vrille, quoi. Il ne tient pas, quoi. Oui, c'est tout à fait ça, parce que... Une question, mais comment vous l'avez écrit, ce personnage, justement, dont on ne connaît rien? C'est-à-dire que comment vous avez écrit sur une vie qui nous échappe totalement? C'est-à-dire qu'on ne sait pas, on ne sait rien de sa vie. Est-ce que vous l'avez écrit, tout simplement, ou comment vous l'avez écrit? C'est justement une des choses qui nous intéressait. Enfin, on avait évoqué à un moment donné le personnage de Delon dans Le Samouraï, dont on ne sait rien non plus. Enfin, même si il a un canari, voilà, c'est à peu près tout. On s'est posé la question de la guimbale de compagnie, pas du canari, c'était un peu trop. Mais... Et alors, à vrai dire, dans le scénario, il y avait deux endroits où il y avait un peu plus d'informations sur, enfin, qui nous permettaient de nous raconter des choses sur son passé ou sur son enfance ou des choses comme ça, ou des traumatismes qu'il avait. Et en fait, au montage, c'est tombé parce qu'on sentait que moins on en savait... sur lui, enfin, en tout cas moins d'explications psychologisantes, parce qu'on a quand même beaucoup d'éléments. Enfin, c'est tout ce que tu dis, quoi. Justement, il pourrait, parce que dans le film, c'est le personnage de Marceau, donc Boulin-Lanners, qui est beaucoup plus explosif, qui voilà, où ça déborde de partout. Et le personnage de Bastien, c'est justement ça. Il sent qu'il pourrait aussi déraper ou dérailler, et donc il lui faut les rails, il lui faut des choses qui lui permettent de se contenir et de se donner un cadre. Donc c'est à la fois la procédure, c'est à la fois le choix c'est le vélo, c'est à la fois le choix de, voilà, de pas avoir de vie familiale, de vivre un peu de façon spartiate dans un appartement tout seul, et toutes ces choses-là finalement racontent suffisamment sur lui, et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin d'en savoir, et que plus, enfin,
au contraire, d'en rajouter dans l'explication un peu psychanalytique ou psychologique, affaiblissait le personnage. Et le coup de bol aussi sur Bastien, de sa manière, c'est que moi, je connais Bastien depuis très longtemps, par ami d'amis, et enfin, c'est un ami. Et Bastien, c'est quelqu'un, c'est le type de comédien qui passe tous les castings, qui est à la limite d'être pris pour le premier rôle et qui n'est pas pris parce que il y a qui est plus connu et qui donc prend le rôle. Et lui, à la fois dans la profession, il est très estimé, reconnu, mais il joue dans plein de films, mais des rôles plus petits, et il passe pas. Et il se trouve que la chance, c'est que pour le coup, la production, les productrices d'Horicourt ont, sur Seules les Bêtes, adoré Bastien. Alors c'était un rôle plus facile à caster, plus petit. Et quand Dominique l'a envisagé pour La Nuit du 12, en fait, les réactions étaient ultra positives et que ça n'a pas coincé. Et lui, il était archimûr pour être à fond. Il savait que c'était aussi pour lui une occasion à pas rater. Donc la confiance générale, quoi, de Bastien dans le film, dans Dominique, fait qu'il y a une vraie rencontre, que l'association avec le duo qui forme avec Bouly est incroyablement complémentaire, et donc tout prend, quoi. Enfin, quand on aime. Mais alors, on va montrer un petit extrait du film. Alors, je suis désolé, qui n'a... tout le monde a vu le film ou... Oui, d'accord, ok, bon, on dévoile pas grand-chose. Mais c'est une scène que je trouve charnière, peut-être deux mots, Dominique. C'est le moment où ce personnage se craquelle un peu, quelque part. Oui, c'est ça. Enfin, c'est le moment où on sent que dans la tête de Johan, donc de Bastien Bouillon, ça commence à se déconstruire, comme on dit aujourd'hui. Ouais. Et que voilà, il commence à prendre conscience que voilà, que les choses ne sont pas forcément telles que lui les voit, et que voilà, l'ami de Clara, Nani, qui est en face de lui, voilà, le remet en question sa façon de. On va le voir. Ok. C'est ça. Désolée. C'est une vague connaissance de Clara. Elle squatte un cabanon dans les jardins d'André. Elle avait une relation avec lui ? Avec lui ? Ah non, je lui ai la vie. Il est répugnant, il est dégoûté. Rien que d'en parler, elle le trouvait. C'est elle ou c'est toi qui dis ça ? Comment ça ? Qu'est-ce qu'elle t'a dit, elle ? Bah ça, qu'il était répugnant. Il lui avait fait des avances ? Elle était collée en vrai. À un moment donné, même elle s'était fâchée justement parce qu'il la collait trop quand elle allait chez lui. Et elle voulait plus le voir. Mais Clara, elle n'en parlait pas trop. En tout cas, c'est vrai qu'elle ne la pouvait pas. C'est un mec qui fait rien, il travaille pas, il passe sa journée à fumer, à se branler. Enfin, pardon, mais c'est vrai. C'est possible qu'elle ait couché avec lui ? Non. Peut-être qu'elle ne te l'a pas dit. Chose en fait. C'est pas elle. Vous comprenez pas ça, hein ? C'est pas elle, putain, elle a rien fait. Je sais pas ce qu'elle foutait avec lui. Ce qu'elle foutait avec les autres.
C'est vrai que je parle d'une pute là. Est-ce qu'elle a couché ou est-ce qu'elle a pas couché? Mais putain, ça change quoi? Elle a pas commis de crime ou... Personne ne dit ça. Personne ne dit ça, non. Mais vous dites qu'elle couchait avec tout le monde. Et vous me demandez s'il est pas un petit peu dans quelque chose. Moi je vous réponds. Vous savez pourquoi ils étaient tués? Moi je sais, je vais vous dire. C'était déjà parce que c'était une fille. Voilà, c'est tout. C'était une fille. C'est pas elle. Prends pas d'elle là. Clara, elle aimait faire. Ça, oui. Et en plus, elle tombait toujours amoureuse du mauvais type. Mais ça se trouve, elle n'a pas refusé les annonces de scolaire. Franchement, j'en sais rien. Mais c'était une fille gentille. Elle voulait juste rire et profiter. Tout ce que j'arrive à dire d'elle, c'est des saloperies. C'était ma meilleure amie. Donc oui, c'est scène importante du film, scène charnière quoi. Charnière qui, enfin d'ailleurs, elle est vraiment au milieu du film, enfin ce qu'on n'avait pas vraiment calculé, on s'en est rendu compte pendant le montage, on n'avait pas mesuré non. Mais oui, c'est une scène de bascule parce que voilà, on sent que le personnage de Johan voilà est embarqué du coup sur une autre voix que celle qui suivait, enfin qu'il entend tout à coup la parole de cette jeune femme là quoi. D'ailleurs les personnes Sériès qui joue qui a comme ça je dis Pauline Sériès l'actrice qui joue qui a un rôle on la voit plusieurs fois mais évidemment cette scène là est dit charnière tout ça et elle je n'ose pas imaginer la pression elle a passé cette scène aux essais dans les essais elle était renversante comme dans le film et la seule inquiétude qu'on avait c'était qu'elle soit aussi bien dans le film qu'au moment des essais des fois pour les comédiens c'est pas facile parce que les enjeux sont est-ce qu'il y a des questions voilà n'hésitez pas juste un truc en attendant sur le par rapport au décor de cette scène là parce que dans un film évidemment tout est important le choix des comédiens qui vont incarner les personnages mais aussi voilà comment c'est éclairé donc les décors etc et dans un premier temps j'avais envisagé de qu'elle travaille dans une sorte de boulangerie industrielle qui était dans la zone d'activité de Saint-Jean-de-Maurienne et que la scène se passe à l'arrière de la boulangerie en extérieur, on avait une vue sur les montagnes et en fait en y retournant deux trois fois, on s'est rendu compte que c'était que ça allait pas parce qu'il y avait trop de nuisances sonores, de gens qui passaient, que ça allait nuire à la concentration des comédiens et même au côté très intime de cette scène et qu'il fallait un décor qui allait permettre aussi de sanctuariser cette scène qui était si importante et c'est là qu'on a que je me suis souvenu de ce décor-là qui est en fait un restaurant d'entreprise d'une grande usine à Saint-Jean. Moi, ça m'a fait penser. Encore une fois, je trouve ça très lynchien parce que vraiment, c'est pour moi, c'est une scène de diner. On attend le donut, on attend le café chaud.
C'est vrai que cette comédienne, c'est un des deux personnages féminins du film, une sorte de double un peu cette fille qui se fait assez, ouais. J'ai l'impression que c'est une sorte de fantôme comme ça qui revient et qui vient expliquer, qui élève, vient presque se justifier, quoi. Moi je trouve que c'est très, ça m'a fait énormément. Et puis Grenoble, Uriage, Saint-Jean-de-Maurienne, c'est la montagne. Il y a quelque chose comme ça. Je trouve que le choix de délocaliser un peu l'action est important. Ça, c'était, je pense que c'était présent peut-être à l'écriture, parce que ça donne enfin, on a très vite parlé de Grenoble. Et c'est incroyable comme c'est. Mais je trouve que cela dit, par rapport à Twin Peaks, on avait quand même évoqué la façon dont dans Twin Peaks le personnage de Laura Palmer existe très 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 fortement pendant toute la série, si elle est elle est morte. on avait envie de réussir ça aussi, enfin que le personnage de le personnage de Clara, qui plane pendant toute la durée du film. Et c'est vrai qu'on avait évoqué Twin Peaks. Non, mais même la montagne, Grenoble, ses rues, la rocade, ses longs trajets en voiture et tout ça, je trouve que c'est très cinématographique. Oui. Il y a quelque chose comme ça qui est et la nuit tout d'un coup, il y a quelque chose qui devient totalement inquiétant. Les gens sont chez eux, je sais pas. Dominique, quand on écrit, il va sur Google Maps et il commence à faire des pré-repérages en se disant oui, tiens, telle ville, tel truc. L'incarnation du lieu, de la reine dans laquelle ça se passe, pour Dominique, c'est très physique, quoi. Il y a un truc, il doit se projeter là-dedans. Et même si c'est filmé avec des plans comme ça, qui peuvent être statiques ou très construits, l'espace existe très fort, quoi. Les montagnes qui entourent Grenoble, vraiment, Dominique le contrôle et l'imagine, puis avec le chef op, Je trouve ça assez, c'est assez réussi. Non. Il y a quelque chose, presque un espace mental, quoi. C'est ça. Allez. Si vous avez deux, trois questions avant qu'on passe à la dédicace. Oui, j'en aurais bien une. Vous n'avez jamais été tenté de résoudre l'énigme De livrer le meurtrier Alors, on a pu... Enfin, parce que quand on écrit, on se pose toujours toutes les questions, donc on a pu l'évoquer... Je me demande même si on n'avait pas une fois, on n'avait pas écrit une version une fois sur non, je me souviens plus. Mais enfin, en tout cas, si on l'a ou dans les discussions avec les productrices, peut-être que ça a été mentionné à un moment donné, mais on l'a quand même très vite évacué parce qu'on sentait bien que dans cette non résolution, ça faisait partie de la force aussi du. Mais le film n'était pas là. Le film n'était pas là. Dans le sens où il n'est pas dans la résolution. Il est dans quelqu'un qui sort d'une obsession, folie. C'est vrai qu'il y a une inquiétude toujours. En plus, quand c'est pas fait, mais. Je pense qu'effectivement, du côté de la production, de la distribution, qu'on ne va pas dire tout ça pour rien. Moi, c'est vrai que par ailleurs, je sortais d'une aventure un peu pendant que Dominique tournait la série pour Arte Eden. Moi, j'ai réalisé une série documentaire pour Netflix sur l'affaire Grégory, qui est évidemment une affaire non élucidée, enfin en tout cas qui reste. Et le fait que ça soit, d'utiliser ce mot-là, mais passionnant pour le spectateur ou les spectateurs ou les spectatrices, enfin que ça nous... Je pense que la question de la déception était secondaire par rapport à ce que ça apportait. On sentait que dès qu'on met, si on envisageait un truc de résolution, en fait, ça déportait le sujet, quoi. Ça devenait quelque chose de plus,
Oui, et puis du coup, ça permet de regarder ailleurs, enfin de se concentrer sur d'autres choses. Et on sentait très vite que ce qui était important, c'était la trajectoire du personnage oui. de Johan, et qui, elle, n'est pas irrésolue. Enfin, en tout cas, ce qu'on voulait absolument pas, c'était qu'on reste à la fin sur un constat amer ou un constat d'échec en se disant de toute manière tout ce travail d'enquête ça sert à rien puisqu'on trouve pas voilà, ça aurait pu être ça aussi, un truc très désabusé à la fin ou nihiliste, mais nous ce qui nous intéressait c'est comment voilà comment enfin le fait que Johan à la fin soit remis en selle, enfin retrouve l'énergie de reprendre l'enquête, et grâce justement aussi à la parole des femmes, enfin que ce soit la juge d'instruction, que ce soit la jeune policière, ouais. Et que ce qui compte, et enfin je ne sais plus qui disait à un moment donné que le film était aussi un éloge de la persévérance, ce qui compte, et c'est ce qui doit en fait à ce fantôme de la morte qui le hante, ce qui lui doit, c'est de continuer, et de continuer à mettre tout en œuvre pour essayer de résoudre cette enquête, même si c'est sans garantie de résultat, parce que cette garantie, elle n'existe jamais, quoi. Mais ce qui est important, c'est de ne pas baisser les bras et de voilà, de pas se décourager et de continuer à essayer. Comme pour réaliser des films. Non, mais c'est pour ça. Bah, je trouve le personnage d'Anouk Grimberg, moi, je trouve que c'est un très très beau personnage, parce que c'est déjà comme il apparaît, c'est-à-dire qu'il y a une sortie de champ de Bully Lanners qui s'en va dans la montagne, et elle rentre dans le champ quelque part, et des années sont passées. Donc déjà une façon de traiter comme ça le temps qui passe que je trouve super, plus qu'habile, super très élégante. Et elle, en plus, elle apporte quelque chose. C'est un personnage qui est mature. En fait, c'est-à-dire qu'elle, c'est un personnage qui est avancé dans une sorte de folie contrôlée, quoi. C'est-à-dire que par la structure administrative, par cette persévérance, on sent que c'est un personnage adulte. Alors que Bastien, c'est un personnage qui est border et elle va l'aider à grandir quelque part. Et je trouve que cette rencontre, elle est complètement solaire, en fait, et les échanges. En plus, elle, je la trouve exceptionnelle vraiment dans le film. Elle a pas, c'est juste ce quart d'heure-là, mais qui est un quart d'heure, je trouve, suspendu parce que tout ce qu'elle dégage, quoi, physiquement, sa voix, son. Je trouve que les dialogues sont... Et puis lui, il n'a jamais autant bavard qu'avec elle, alors qu'avant, il a deux lignes de dialogue, quoi. Et je ne sais pas, je trouve que le film est très... c'est une sorte de film positif, mais pas naïvement ou niaisement positif. Hein, mais le personnage a bougé de ça, mais qu'est-ce que c'est, ouais. c'est... Puis on a envie de se faire la croix de fer en vélo ou le galibier. Je ne sais pas, on a envie de faire du vélo. Allez, peut-être... Ouais. Ah, vas-y, Marc. Moi, j'avais plusieurs questions. Justement, ce personnage, il a toujours été féminin. Ça a toujours été dans la vraie histoire. La juge. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que dans le livre, enfin, ce personnage existe, enfin pas, enfin de manière beaucoup plus succincte. Hein. Enfin, il n'y a pas du tout ces dialogues. Là, enfin, ça c'est vraiment l'apport de Gilles, du coup, dans cette scène-là. Il y a quand même le truc où il dit, je crois que tu es tombé. Enfin, il lui dit pas, mais voilà. Elle... Je suis en train de tomber amoureux de toi aussi, il le dit. Oui, non, mais dans le livre, il y a une phrase qui dit il se demande s'il est pas en train de tomber amoureux d'elle, enfin, quelque chose comme ça. Mais voilà, mais en tout cas, il y a cette ellipse de 3 ans avec une juge d'instruction qui relance. L'affaire qui a moins de poids dans le bouquin que dans le film, mais c'était une femme, et puis on s'est jamais posé ça nous semblait important, enfin autant on voulait que ce monde de flics soit un monde d'hommes, parce que ça correspond aussi à une réalité, parce qu'on voit enfin dans les séries télé souvent maintenant plein d'enquêtrices etc, mais dans les faits c'est quand même très 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 majoritairement toujours des hommes à la PJ et donc on voulait que dans la deuxième, enfin après cette ellipse, qu'il y ait des personnages féminins, enfin la juge mais aussi la jeune policière qui même si elles ont peu de temps à l'écran, qui ont leur importance. C'était mon autre question justement, parce que c'est assez ce moment de la planque, que ce soit avec une fille, ça prend toute une autre dimension, évidemment.
Et l'autre question que je me posais aussi, j'ai vu le film deux fois, et comme vous parlez vachement de genèse, enfin d'idées, de questions que vous posez, puis il y a le montage à la fin, je pense qu'il y a des scènes où il y a peut-être des séquences entières qui n'existent plus dans le film. Il y a notamment la scène du crime, c'est-à-dire que le début du film est quand même très très fort, et puis il y a l'annonce aux parents. Est-ce que par rapport à nous, spectateurs, découvrir le corps le lendemain, sans trop savoir comment elle a été tuée, c'est une question que vous êtes posée, puis c'est aussi une question de production, de tournage, enfin, les personnages qu'on... mise à faire. Enfin, voilà, c'est hyper compliqué à faire. Oui, 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 oui. Non, non, bien sûr. C'est quelque chose que vous êtes posé ou vous avez voulu vous censurer ou je sais pas. Voilà. Alors la question a été posée par les productrices qui, enfin, parce qu'on nous on l'avait écrit dans le scénario, enfin la description du meurtre et elles étaient, enfin notamment une était très contre. Enfin disait, enfin. C'est plus fort en ellipse, c'est voilà, c'est mais voilà, mais aussi sur un côté, voilà, c'est voyeuriste, c'est cette représentation de, on se complaît dans l'horreur. Enfin, ce qui peut être, enfin, en tout cas, c'est une question tout à fait légitime. Mais c'est vrai que nous, on sentait que c'était important de le montrer, pas de le montrer n'importe comment, mais que ce, voilà, parce que de que la violence de l'acte soit pas ellipsée, enfin qu'elle soit quand même ancrée dans la tête des spectateurs et du coup aussi de Johan, même si évidemment il n'est pas témoin de la scène. Mais bien sûr, enfin, je me suis très vite posé la question de et puis on disait aussi aux productrices, on peut, enfin, si c'est complaisant ou si c'est voyeuriste, on peut toujours la couper au montage. Et donc, c'est assez drôle. Non, parce que si vous la tournez, vous allez la garder. Alors, je dis, bah non, enfin, on coupe plein de trucs au montage. Mais en tout cas, enfin, ce genre de scène, pour moi, c'est évident qu'on ne peut pas y aller la fleur au fusil et dire « Ah tiens, bah, on va filmer ça comme ça, et ça va être super cool de la voir souffrir. » Donc, voilà, et très vite, j'en suis voilà, arrivé à l'idée enfin, d'une certaine stylisation ou d'abstraction, presque en passant par ces très gros plans sur ses yeux, sur le briquet, et puis après d'avoir un... En large, fixe, où il n'y a plus de son direct, ralenti, avec cette musique qui n'en rajoute pas non plus dans le sordide. Et voilà, mais je pense que c'est, voilà, c'est une vraie question, enfin morale presque, de comment représenter. Et c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas, enfin, de représentation satisfaisante. Enfin, je veux dire, c'est toujours... discutable, enfin c'est vrai que c'est quelque chose de problématique de représenter la mort de quelqu'un et que d'une certaine manière on en prend je pense plus conscience aujourd'hui, enfin ça dépend des films mais c'est curieux parce que je sais pas me vient la scène des oiseaux, la fameuse scène des oiseaux dans le grenier. Et ce qu'on sait maintenant sur le rapport d'Hitchcock et de Tippi Hedren, un truc, quelque chose de terrible, quoi, où elle a mis la façon dont elle a été traitée sur le tournage, c'est complètement effrayant. Alors que le film est un chef-d'œuvre, mais c'est curieux d'avoir ces infos a posteriori, de pas savoir trop quoi en faire, et en même temps de sentir la vraie violence de maltraitance, je sais pas, mais voilà, quand on sait dans les conditions dans lesquelles ça a été fait, je sais pas quoi en faire. Mais c'est vrai que par exemple sur Hitchcock, enfin comme il parlait beaucoup de l'inconscient et notamment du sien, et je pense qu'il, enfin, c'est étonnant parce que il y a des choses très féministes dans ces films. Enfin, les personnages féminins sont très puissants et très, on a des caractères très forts. Moi, j'ai revu il y a très peu de temps, enfin même vu parce que je l'avais jamais vu le Procès Paradine, et qui est pas le plus réussi. Mais il y a une scène où Charlton joue un juge et la femme de l'avocat qui vient chez eux. Il est sur son canapé, les autres vont... Et
Vraiment, il se met à quasiment la peloter et en fait à lui faire des propositions, mais vraiment dégueulasses. Donc je pense que chez Hitchcock, il y a à la fois tout à fait la conscience de ce que c'est condamnable et en même temps la pulsion chez lui de le sublimer d'une certaine manière. Pas seulement la pulsion coscopique, quoi. C'est vraiment c'est très concret. Mais non, c'est curieux de savoir ça parce que c'est des films qu'on admire, qu'on respecte, et en même temps, quand on a les mémoires ou comment est ressortie l'actrice du tournage ou comment elle a été traitée, même par l'équipe. Après, on peut se dire que c'est notre génération et tout ça, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est moins supportable. Peut-être une dernière question. Oui, bonsoir. Ma question, du coup, c'est pour vous deux, comme vous êtes là. Comment est-ce que vous dirigez sur le plateau les comédiennes et les comédiens, du coup, comment ça se passe, votre direction d'acteur? Pour la direction d'acteur, moi, il y a plusieurs choses. Enfin, je pense que le plus important, c'est le casting. C'est de choisir les bons comédiens pour incarner les personnages et de vraiment prendre le temps de trouver les bonnes personnes. Et je pense que si on se trompe pas là-dessus, 80% du travail et de direction d'acteur est fait, en fait. Après, il y a évidemment aussi de l'ordre, enfin, que dans le scénario, dans les scènes, il y ait de quoi jouer, et qu'il y ait un personnage qui soit construit et où eux peuvent après se faire leur cuisine à eux et leur travail à eux. Alors je donne pas beaucoup, je donne pas plus d'informations de ce qu'il y a dans le scénario. Enfin, je fais pas des biographies des personnages. Après, ça peut être quelque chose, quelques trucs comme ça ponctuels, mais très très peu. Et puis j'essaye aussi de pas les noyer sous des tonnes d'indications, mais d'essayer de trouver des mots clés. Comme ça, pour Bastien, c'était, on avait trouvé ce mot droit. Pour Sergi Lopez dans Harry, c'était de lui dire que tout ce qu'il faisait, il le faisait de façon entièrement sincère. Enfin, que c'était, qu'il n'y avait pas de. Oui, tout, enfin, qu'il croyait à tout et que c'était complètement sincère dans son désir d'aider, enfin, que c'était pas un manipulateur pervers ou sadique, mais qui avait cette sincérité. Voilà, donc c'est des mots clés comme ça. Après, je trouve que ce qui est important aussi, c'est d'établir un rapport de confiance, enfin, de confiance, de dialogue et d'échange. Enfin, ce que disait Gilles un peu tout à l'heure, enfin, le fait que Bastien se sente désiré, enfin, non seulement par le réalisateur, mais aussi par la production, et quand ils sentent qu'on a envie d'eux et de les regarder, c'est une question de qu'ils se sentent regardés et écoutés et qu'on comprend ce qu'ils essayent de faire. Et mais de pas avoir peur aussi de on a l'impression que ça fonctionne pas, ou que de le dire, et si on n'a pas la solution soi ou de proposition comment rectifier le tir, de le dire aussi et de chercher ensemble. Et je pense que c'est beaucoup et c'est pas que avec les comédiens, c'est avec tous les gens de l'équipe, enfin, d'essayer d'être dans l'échange et de profiter de leur talent et de ce qu'ils peuvent apporter. Ouais, je complète juste, comme Dominique, enfin, il est lui-même quelqu'un de droit et de précis, donc il donne effectivement peu, il ne noie pas du tout sous les indications. Il est souvent je pense que l'ensemble, en fait, le fait que le cadre, le décor, tout est quand même assez précis, et les comédiens eux-mêmes se sentent très dirigés dans ce truc-là. Je pense que ceux qui aiment complètement improviser, partir n'importe où, ça fonctionnerait pas forcément bien avec Dominique. Il y a un truc de
voilà, de, à la fois de chaleur, mais de choses très... c'est très... comment dire... sérieux, le tournage de Migros. On peut beaucoup rire, mais c'est très, ça se fait très... enfin, Dominique dit tout ce qu'il veut, ce qu'il pense. Les gens peuvent tous dire ce qu'ils veulent, mais c'est dans une forme d'économie aussi. On n'est pas... Il n'y a pas de perversion, quoi, dans la façon... Il y a les réalisatrices et les réalisateurs qui font des choses, d'ailleurs, parfois très puissantes, très fortes, mais avec des arrière-pensées, des choses cachées, des techniques, des manipulations, voire de la perversion. Dominique, il est très... cash, on fait les choses pour qu'elles soient le mieux possible. Et je pense que les comédiennes et les comédiens sentent cette, voilà, ce mélange de rigueur, d'honnêteté, de simplicité. Donc, on rentre, comme un tournage dure quand même quelques semaines. En tout cas, les rôles principaux se sentent très vite pris dans cette ambiance-là, dans ce système. Alors, on va s'arrêter là. Alors, je t'ai fait choisir quelques DVD. Je vais mettre sur la table, on va peut-être pas développer parce que ça fait peut-être un peu. Oui, ça fait une heure et demie qu'on parle. Oui, voilà. Mais il y avait. C'est quand même un film que j'aime beaucoup et que je remets toujours en avant, mais c'est The New Centurions, Les flics ne dorment pas la nuit, de Richard Fleischer. Un mot. Non, pas un mot. Oui, alors. Trop tard. Voilà, j'ai dit trois. Non, Richard Fleischer, il a fait beaucoup de films qui m'intéressent pas trop, mais je sais pas, quand il a fait celui-là, il devait être touché par la grâce parce que. Non, mais t'es super hein sûr. Non, moi, j'adore. Si, ouais, bon. enfin, c'est Gilles en fait, qui me l'a fait découvrir pendant qu'on travaillait sur le scénario. Et voilà, et puis c'est un film qui parle du quotidien des. Une chronique d'un commissariat, ouais. Et vraiment, enfin, je trouve. Non, mais ce film est impressionnant. Incroyable, tous les personnages, le travail sur le temps aussi, parce que ça se passe sur plusieurs années. Et puis voilà, là. Le côté à la fois enfin de ce travail dont ils sont drogués à ce travail-là et puis en même temps ça les détruit aussi mais voilà il y a plein de choses qui sont formidables. C'est un film passionnant presque ouais. Moi j'adore ce film. Le film d'Arthur Harari qu'on a fait venir Onoda. Sur la folie aussi, sur le. Oui, la folie puis, enfin, sur c'est vraiment un de mes grands coups de cœur de ces dernières années. Enfin, je trouve que c'est un film absolument incroyable. Et aussi, c'est grâce à Onoda que j'ai rencontré Olivier Marguerite qui a fait la musique de La Nuit du 12, j'ai déjà travaillé sur Diamant Noir de Arthur Harari. Ah oui, ok, d'accord. Et sur Onoda aussi. Okay. Et en fait, c'est. En écoutant la musique, je me dis tiens, ça me plaît beaucoup. Enfin, il a un sens de la mélodie absolument incroyable. Et donc voilà, donc c'est comme ça que s'est fait cette rencontre là. Mais au-delà de ça, c'est un projet complètement fou et romanesque et voilà vraiment. Soldat qui est sur une île, qui ne sait pas que la guerre est finie ou qui refuse de voir qu'elle est finie. Voilà. Je mets les autres DVD sur la table. Okay. Juste une dernière question sur tes des projets, si tu as envie d'en parler ou pas, s'il y a des projets à venir. Parlerai bien, mais pour l'instant, je suis en phase recherche, donc il n'y en a pas. Ok, d'accord. Bon, grand merci à tous les deux, Gilles et deux. Merci de nous avoir accueillis, merci à vous. Merci. Donc on se dirige vers la table pour la dédicace, pour ceux qui ont des DVD à faire dédicacer.